Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est la suite de l'unboxing de la boutique GBFKE en spécial Diamond Painting. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un article, alors je ne pense pas l'avoir vu en vidéo encore, un accessoire, et bien sûr un DP que Chouchou a choisi, voilà. Alors je vais d'abord vous montrer cet accessoire. Bon, je ne suis pas sûre encore comment je vais m'en servir, mais bon, on verra bien. Alors, attendez que je le déballe. Ah, ciseaux. Je ne vais pas les casser. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les casser. Enfin, j'espère. Des fois, je dis ça et puis... Voilà. Ah, ça est bien. Bon, je crois que je vais couper au bout parce que là, c'est vraiment super bien emballé. Hop, voilà. Ça ira beaucoup mieux. Hop. Alors, je vais tout sortir. Eh ben, oui, ça sonne la ferraille. Ah, c'est bien. Alors, on a d'abord dans ce petit kit, puisque c'est un petit kit, des stickers, comme ceci. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a aussi avec les lettres, voilà. On a le blanc, les crus, le B5500, etc. Alors, on va l'ouvrir pour regarder la suite. Je trouve jamais les bouts pour... ouvrir ses emballages. Ah, voilà. Il devrait faire un petit trait rouge. Je ne pense pas à nos vieux yeux qui ne voient plus bien. Voilà. D'accord, c'est ça. C'est bien. Alors. Donc, je vous remontre la première, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors de jusqu'au 99, l'alphabet en entier, et après, on commence les références DMC, à partir de, bon là, c'est blanc et cru, à partir du 150, et les autres pages, bien sûr, c'est les autres références DMC, voilà. Et on termine au 3866. Voilà. Donc, on a déjà ces petits stickers. Très pratiques. On a également des petits stickers comme ça, tout ordinaire, blanc. Voilà. On a un paquet de sachets zippés. Alors, on va en sortir un. Alors, bien zippé. Je sens que ça va encore rigoler là à l'écran. Oh purée! Ah, pour être zippé, ils sont zippés, hein. Ah! Purée, mon père ne risque pas de s'en aller, hein. Donc, voilà. Alors, d'un côté, c'est blanc. Et de l'autre côté, c'est transparent. Voilà. Et super bien zippé. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un petit trou, là. Donc, hop, ça se referme super bien. Et du coup, est-ce que ça se rouvre plus facilement maintenant que je l'ai fait une fois? Oh, les yeux de top que j'ai. Purée, c'est pire en pire. Bon, ça va un petit peu mieux. Voilà. Alors, par contre, j'en ai combien? Je crois que j'en ai 50. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Bon, je vais en avoir une trentaine. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'arrive, hein? 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30. Voilà, c'est bien ça. Donc, vous avez 30 petits sachets comme ça. Ils m'ont l'air vraiment bien solides. Ils sont bien épais. Ensuite, on va avoir des anneaux comme ceci. Donc, il doit y en avoir une trentaine aussi, hein, je pense. Je vais pas les compter, mais je pense. Alors, ce sont des petits anneaux. Alors, ça existe dans plusieurs couleurs, hein, ce que je vous montre. Voilà, des petits anneaux comme ça. Et qui se... Hop, voyez. Et qui s'ouvre comme ça et se referme dans le petit anneau. Là, voyez. Hop, ça floute un peu, je suis désolée. Mais c'est tellement fin et petit. Voilà. Et du coup, je vais reprendre un sachet. Et ces petits anneaux vont vous permettre... Voilà. Vous commencez à voir où je veux en venir. Donc, vous mettez vos perles et vous attachez votre sachet comme ça. Je vais laisser comme ça pour vous montrer le reste. Donc, ouais, je pense qu'on en a une trentaine aussi. Peut-être moins. Je sais pas. Bon, je ne vais pas les compter, mais voilà. Et tout ceci pour mettre là-dessus. Alors, je sais pas, il m'a pas l'air. Voilà, il est un peu plus droit. J'aime bien quand c'est droit. Voilà, sur ce support. Donc, vous allez... Alors, attendez, je vais vous baisser un peu. Hop, voilà. Ah, j'arrive pas à vous mettre droit. Bon, voilà. Donc, vous allez mettre vos petites perles dedans. Voilà. Et après, vous allez enfiler vos sachets dessus à la suite, hein, suivant le nombre de perles que vous avez. Et puis, comme ça, ben, au lieu de les mettre dans des petites boîtes, ben, vous les laissez en sachet. Et elles sont... voilà. Bon, c'est peut-être pas un truc, mais je voulais voir ce que c'était. Alors, on peut peut-être le détourner pour la broderie. Voilà. On peut peut-être le détourner pour la broderie, pour y mettre peut-être bah, des échevettes qu'on a en doublon. Pourquoi pas. Moi, je verrai. C'est peut-être ça que je ferai. Je vais voir. Mais on peut peut-être le détourner donc pour la broderie. Donc, c'est du métal entièrement. Voilà. Alors, moi, je l'ai pris comme ça en couleur. C'est un doré bronze, on va dire. Ça existe en argent, je crois, couleur argent. Et puis, une autre couleur, je pense, mais je ne sais plus laquelle. Voilà. Bon. Vous voyez. Bon, c'est le gadget, hein, ça. Mais voilà. Donc, à voir. Je pense que je peux le détourner pour la broderie, mais bon, je verrai bien. Donc, voilà. Ça, c'était notre accessoire qui est au prix de 10,89 €. Donc, avec... Oui, bah c'est ça. 30 anneaux et 30 sachets. Voilà. En plus, je ne sais pas pourquoi j'ai compté. Je l'avais marqué sur mon carnet. Enfin. Bon, je rangerai... Oh là, attendez. Je n'ai pas... fermer le sachet à anneaux, du coup ils sont tous en train de se barrer. Gaston Lagaffe est de retour. Voilà. Je vais. Attendez, je vous remonte. Coucou, je suis là. Oh là. je vais vous mettre. Oh là là, c'est une catastrophe. Je vais vous mettre face bureau pour vous montrer le DP que Chouchou a choisi. À tout de suite. Alors voilà. C'est un... Alors, je n'ai même pas regardé la taille. Alors, c'est un 40-50 avec 24 couleurs. Voilà. Donc, ce sont des perles rondes.
Nous avons d'abord, comme d'habitude, le petit toolkit, hein, tout simple, voilà. Et nous avons les perles rondes, alors mis en sachet chapelet. Alors moi, j'appelle ça des chapelets. Je sais qu'il y en a qui appellent ça autrement, je ne sais plus. Ah, oups, là, attention, j'ai des petites perles qui se promènent. Donc, on va faire attention. Allez, je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous voyez mieux sans... ouais, un peu mieux. Hein. Parce que sans... Comment? Excusez-moi, hein, je fais mes petits réglages. Non, ça va. Voilà. Alors, je fais attention parce que j'ai vu les perles se promener. Donc, les chapelets sont coupés par couleur. Donc, on va avoir beaucoup de tons marron. Voilà. Du marron, du beige, du... Voilà. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas le vrai blanc. Alors là, c'est un peu plus... Mais avec le flash, je sais pas si... Ouais, là, vous voyez quand même mieux la vraie couleur. Vraiment beaucoup de marron, hein, voyez. Ça m'étonne, c'était pas du gris. On peut-être qu'il y ait après. Voilà, c'est un marron foncé. Voilà. Non, je vois. Oh là, attention les perles. Je crois que j'ai un chouchou qui fait attention quand il fera. Ah, là, c'est un. Non, c'est pas encore un gris, c'est encore un marron. Là, c'est. Ah, j'ai vu une perle courir. Hop, on va mettre dans le sachet. Tant je vois pas de sachet ouvert, mais bon. Ah bah voilà. Non, c'est là vous le voyez gris, mais c'est pas gris encore. C'est encore un marron, marron glacé. Bon bah il n'y a que des marrons. C'est étonnant. Parce que quand je vais vous montrer le dessin. On a quand même du noir. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a quelques perles de... Et pourtant, il n'y a pas de sachet ouvert. Bon, c'est pas grave. Alors... Donc voilà pour les couleurs. Hop, on va remettre ça après. Sur le côté. Et maintenant, tadam, je vous dézoome pour que vous voyez mieux le kit. Un éléphant. Voilà, c'est pour ça que je disais, c'était étonnant qu'il n'y avait pas de gris. Un éléphant dans sa savane. Chouchou avait envie d'un éléphant. Donc, alors attendez, je vous montre. Voilà, il avait envie d'un éléphant. Donc, bah, j'ai pris un éléphant.
Oh, pardon, mes gros doigts. Voilà, on va profiter pour regarder l'impression. Et bon, c'est nickel. Hein. Oups, ça zoom. Ça zoom, ça floute. Rien de flouté, voilà. Même le blanc, l'impression blanche est bien faite. Alors, ben, on va profiter que j'ai le téléphone dans la main. Hop, pour regarder. Alors, vous allez avoir des lettres majuscules. La première colonne, c'est les chiffres que l'on a nulle part, là, puisque ils ne sont pas ils ne sont pas sur les sachets, mais vous pouvez mettre sur vos pots. Voilà, sur vos pots, vous mettez les 1, 2, 3, 4, 5, c'est beaucoup mieux. Au milieu, ce sont les symboles que l'on retrouve ici sur la toile. Et la troisième colonne, ce sont les références DMC que là, on retrouve sur les sachets. Donc, on n'aura que des lettres majuscules jusqu'à la 24e couleur. Voilà. Hop, je vous repose. Mais il est très joli, je trouve. Bon, on verra ce que ça donne. Alors, par contre, on dit que c'est un 40-50, mais ce n'est pas un vrai 40-50, bien sûr. Alors, 30. Bon, ça va faire 32. Ouais, 30, alors 32. Là, c'est 30. 32 sur 41. Voilà. Bon, il va y avoir un peu de confetti, hein, mais... Enfin, un peu. Ouais, il y a du confetti. Mais ça va. Je pense que le résultat sera beau. Il y a quand même quelques petits blocs, mais très légers. Là, c'est surtout dans le ciel. Mais voilà. Alors, ce petit DP d'éléphant en 40-50 perles rondes est au prix de 7,89 €. Voilà. Donc, je vous ai présenté donc ce petit DP. Avec le néléphant. Et ben là, je ne vais pas tout vous ressortir, mais voilà. Et je vous ai présenté ce support à sachet. Voilà. Allez, hop, quand on met là, sachet pour mettre les perles. Ou que vous pouvez détourner pour la broderie, pourquoi pas. Voilà. Bon, je remercie encore beaucoup la boutique GBFKE. Pour leur générosité et également je reviens sur l'ancienne vidéo hein, je les remercie encore une fois pour m'avoir envoyé l'article qui avait été volé par les transporteurs. Je vais vous mettre comme d'habitude en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.